on est fort pesé néant pour néant pas trop gros. Ne fais pas rien, j'ai trop mal à la cicatrice. Aujourd'hui, nous sommes le 7 mars 2022. Je suis à l'hôpital, comme vous pouvez le voir. Ça, c'est la vraie vie, d'accord? Tu penses que quand t'es enceinte, t'as le glowy skin? Oh my god. Your skin is like so perfect and glowy. No. Look at this skin. I have never in my life, never had my skin this bad. Ce que j'ai dit, c'est que je n'ai jamais, jamais, jamais eu une peau aussi minable, laide. Laisse-moi mettre ça parce que là, ça m'aide à me cacher. Tellement je suis moche. Bref, ok, je vais assumer. Voilà ce que ça fait, une grossesse. C'est pas toujours tout rose, d'accord? Je suis encore enceinte. À l'heure actuelle, c'est ma dernière nuit, dernière soirée enceinte. Je suis à l'hôpital depuis le mois de décembre 2021. Je suis rentrée chez moi 2 semaines en janvier et je suis revenue. Donc, je suis à l'hôpital depuis l'année dernière pour une crise de drépano qui est mal tournée. C'est transformé en Covid, crise vaso-occlusive, diabète insipide, infection du sang, transfusion sanguine, 8 poches en 1 mois. Enfin, voilà. C'est pourquoi demain, on va me déclencher. Non. Même pas, on va pas prendre le risque. On m'a programmé une césarienne. Le bébé n'est pas à terme. Il aura besoin d'aide, bien sûr, à la sortie de mon ventre. Même si moi, j'aurais préféré, honnêtement, attendre 37 semaines là où je sais que on n'est pas du tout dans la période de prématurité, que mon bébé pourra rentrer à la maison au bout de 5 jours. Mais là, ce n'est pas le cas. Mon bébé sera en néonate. J'appréhende beaucoup. Du coup, mon bébé sera prématuré. J'en suis consciente. J'ai demandé d'attendre quelques semaines de plus. Ils ne veulent pas attendre quelques semaines de plus par rapport à ma santé. Bébé va bien, mais maman ne va pas bien. Et ça fait déjà longtemps que je tiens et que je souffre. Il faut sortir bébé parce que la santé de maman commence à se détériorer. À l'hôpital, j'ai fait des crises sur des crises sur des crises sur des crises. Ma santé ne s'est jamais améliorée malgré les médicaments, malgré tous les efforts qu'on a pu faire. J'ai passé mon 3e trimestre de grossesse à l'hôpital. Demain, c'est le jour J. Mon bébé va naître en pleine forme. J'espère. Oh Jésus, regardez-moi ça. C'est pas des blagues. Je suis la boutonneuse du service. Je me suis cachée, les gars. Non, je rigole. Je me suis pas cachée, en fait. Ma grossesse a tellement été éprouvante, dure. Et je savais que ça allait être une grossesse compliquée. Parce que avec ma fille, c'était déjà assez compliqué. Et je sais que drépanocytose plus grossesse, surtout chez moi, c'est pas bon ménage. Donc, c'est pas que je l'ai caché. C'est que j'ai voulu vivre ce moment. C'est ma dernière grossesse. J'ai voulu le vivre en privé avec mon mari, en intimité. Je voulais rester dans le positif attitude. C'est assez compliqué pour moi de vivre une telle grossesse. Je l'ai pas bien vécu. J'ai pas profité, honnêtement. Clairement, j'ai pas profité parce que j'étais mal comme un chien. J'étais dans un état minable. Alors là, je suis sous acupuncture et morphine. J'ai la PCA de morphine. Et oui, malgré le fait que je sois enceinte, je peux avoir la PCA. J'ai eu la kétamine. J'ai eu toutes les drogues possibles. Donc, honnêtement, arrivé à un moment, je pensais vraiment que j'allais mourir, les gars. Tellement la douleur était forte. Oh my god, mon dernier petit vidéo. Voici à quoi je ressemble, une petite baleine. Échoué. Le dernier jour, mon petit bébé, tu seras là avec maman. Oh my god, je suis pas prête. Il est vraiment mais énorme. Demain, mon mari va arriver très tôt. Il va descendre au bloc avec moi, bien sûr. Il y a un bébé, maman. Tu leur dis comment tu fais la fête? Comment tu fais bouger le ventre? Comment tu fais bouger le ventre? Ce bébé sera en néonat. Je suis pas sûre qu'il va être en couveuse. Normalement, il se nourrit avec la sonde. Il ne pourrait pas allaiter. Je veux allaiter. Ça me triste. Je voudrais vraiment allaiter direct. C'est pas grave ça. Je vais voir si elle est bon là. Je vais lui donner good par good parce qu'elle ne boit pas. Elle n'a pas la notion de fusion. Hello les Drépa Warriors, comment ça va aujourd'hui? Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Comment ça va? Voilà où nous nous trouvons. On crache comme Madame ça. Madame se trouve. Et moi, mon ventre pour une dernière fois. Voilà bébé qui va sortir aujourd'hui. On est les futurs parents de notre petite. Et mais je sais même pas comment je vais l'appuyer en fait. Bébé, c'est Lenaya dont t'as déjà dit bébé. Lilo, elle a voté, moi j'ai voté, toi t'as voté, tout le monde a voté. Ça arrive. Allez, mon collègue Brancardier est là, madame. C'est partout. Ça y est. Bon bah écoutez, je vous souhaite un bel accouchement. Profitez bien de ce bébé quand il va être là. Merci beaucoup. So like that we can see you go to the couloir and take. Allez. Bonjour. Couvrez-vous d'ailleurs, couvrez-vous.
Attention. Allez. Bon, cette fois, c'est la bonne. Oui. C'est la bonne. Bonne naissance. Merci. C'est parti. Allez, on nose. Voilà. Bah, la terrasse des fichiers. C'est maintenant, hein, je te signale. On est plus à quelques minutes près. Hein. Ça va. Vous êtes Je vais prendre vidéo. Aïe, je peux pas bouger. She's there, people. She's sleeping. She's just a little buggy. Les gars, j'ai fait une merveille. Elle est chauve, on va pas se mentir. Elle est chauve. Mon bébé, là, je vais en faire avec ma fille. Oh my god. Moi, tu dis, je suis ta qui? Non, c'est elle. Mais bébé, il faut la mettre au noise. C'est mon petit bébé d'amour. Mais bébé, c'est ma petite, c'est ma petite tu es so dramatic. Il est so, so dramatic. Il est comme ça. Oh my god. Ne touche pas comme ça. Oh my god. Bébé, je te jure, si tu vois, tu renfermes ma fille, tu vois qu'est-ce qui va t'arriver. Enlève les flashs dans ses yeux. Really? Bébé, tu vois ce qui va t'arriver, je te promets. Regarde son petit bébé. Bébé, tu lui fais mal. Je suis arrivée en chambre. Mon ventre est toujours aussi gros. On dirait que j'ai 6 mois de grossesse. Je suis toujours aussi moutonneuse. Mon amour, regardez ma sa petite boule. Elle est magnifique. Comme elle est bien, ben on peut être ensemble. Elle a que la sonde. Oui. Et la sonde, c'est juste parce qu'en fait, elle n'arrive pas à téter assez autant qu'ils lui veulent lui donner. Et tu fais que dormir en fait. Les gens, ils disent qu'elle est magnifique juste parce que c'est un bébé. Elle ne sait pas téter, les gars. Pourquoi je ne vais pas prendre mon sein? J'ai mal à ma cicatrice en fait. C'est maman. Par contre, elle a mon gros nez. Il faut lui peser le nez. Non, il faut lui peser le nez, Yodi. Pourquoi là, Yodi, il faut peser. Pourquoi là, il faut peser le nez, hein, pour le nez pas trop gros. Ne fais pas rien, j'ai trop mal à la cicatrice. J'ai fait une césarienne au cas où, si vous savez faire. C'est très bien passé au début et c'est parti en cacahuète après. Parce que j'ai commencé à sentir la douleur. Et là, d'un coup, ils ont fait sortir mon mari. Il panique à bord. On va l'endormir, on l'endort. Et moi, j'avais mal et tout. J'étais là pour crier. Et mon mari dit pas. Je comprends rien. Je comprends pas ce qui se passe. C'était quelque chose. Qui c'est qui gardait la sœur aînée alors? Ton arrière-grand-mère. Ma grand-mère. Ah, oh, je suis d'accord. Oh, mon amour, mon mari. Même quand elle pleure, elle est cute. Hein. Elle a pas de cheveux, elle est chauve. T'arrives à te lever? Passe la main d'abord si tu veux. Je vais partir aux toilettes, madame. Mais il n'y a aucun souci. Attendez, je vais pas fermer la porte. On peut vous la mettre en poids pour 24 heures sur 24. Là, vous venez d'arriver, on paye un peu les dossiers et tout. Et après, aucun souci. Oui. Installe-la bien. Ah, bah oui, là, elle est bien. Hein? Comment t'es bien là?